Allez, bonjour les amis, bonjour à vous tous, nouvelle vidéo. Donc voilà, ça fait quelques temps que je suis sur la Mercedes. Donc pour la petite histoire, j'avais démonté donc mon collecteur d'admission pour un nettoyage comme tous les 200 000 en prévision pour éviter que ça soit bouché au niveau de la calamine, tout ça. Et donc le but c'est de tout nettoyer. Donc j'avais fait ça sans problème. Et quand j'avais remonté donc le collecteur d'admission, j'ai voulu mettre le redémarrer le moteur, je me suis aperçu que mon niveau d'huile ne fonctionnait plus au niveau du tableau de bord. Donc c'était problématique pour moi, parce que je devais faire la vidange. Et puis le souci, c'est que bah, comme il n'y a pas de jauge d'huile, bah, ça ne pouvait pas marcher. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé la valise, et à la valise, ça m'a sorti le défaut B40 du capteur d'huile, et aussi le défaut de N33.2, qui c'est la, qu'on appelle ça, le réchauffeur du liquide de refroidissement qui se trouve sous le collecteur d'admission. Et vu que quand j'ai changé mon capteur d'huile, mon problème n'était toujours pas résolu au niveau du niveau d'huile. Donc c'est là que j'ai commencé à contrôler le faisceau, et je me suis aperçu qu'il y avait un fil de coupé. Et après, une fois que j'ai vu que j'avais le défaut N33.2 qui était sorti, je me suis renseigné donc sur le prix de la pièce, qui vaut 825 € chez Mercedes. Et ce réchauffeur-là, j'ai réussi à en trouver un d'occasion sur eBay à 160 €. Et ce que je voulais pas, c'était de me planter. Parce que si j'achète la pièce comme le capteur d'huile qui m'a coûté 112 € et que j'ai dépensé ça pour rien, je me suis dit, si je viens me tromper sur la pièce à 825 €, ce serait dommage. Donc je me suis dit, avant d'acheter cette pièce là j'ai décidé de contrôler toutes les fiches moteurs, donc fil par fil, et c'est un travail de fou, et jusqu'au calculateur fil par fil. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo là comme ça je vais essayer de te dire, en gros, il y a les seuls trucs que j'ai pas contrôlé, c'était au niveau du compresseur de clim, le motoventilateur. Il y a 2-3 fiches que j'ai pas dû faire, et puis voilà. Mais là je vais changer quelques capteurs là d'ici peu de temps, comme la sonde lambda normalement et le capteur de température d'admission, d'où un défaut. Donc voilà pour ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer tout ce que j'ai fait au niveau du dégainage et contrôle fil par fil. Allez, sur ce, assez de blabla, bonne visio. Ouais, j'ai toujours le N33. C'est le seul truc qui reste allumé. Alors, est-ce que j'ai un autre fil de coupé quelque part? On va savoir. Et franchement, je ne sais pas. Je regardais sur internet, j'ai pas trouvé. Donc déjà, c'est le seul truc qui me pose problème pour l'instant. Recherche de panne, de prévu. Donc je vais commencer par défaire le fil électrique, enfin le faisceau qui arrive sur le capteur d'huile. Après, je vais tout remonter. C'est-à-dire qu'après, je vais débrancher au niveau du démarreur, au niveau du petit boîtier qui est là-bas. Je vais te montrer. De toute façon, on va voir tout en détail. Et ensuite, je vais voir où ça va, voir si ça arrive là-dessus. Donc je pense qu'il va falloir que je dégage sûrement cette partie-là, au niveau de la réglette. Donc je vais voir quoi. Et on va tester, il te faudra un multimètre, un voltmètre qu'on mettra en ohmmètre. Et donc le but c'est de, donc je vais te montrer carrément, ça sera plus simple, attends, bouge pas. Donc voilà, ce câble, celui que tu vois avec la grosse prise, celui-là, ces deux qui sont agrafés à côté du filtre à gasoil, quand tu le suis, c'est celui-là, celui qui arrive ici. Là, celui-là, et il va à ton catalyseur. C'est à son lambda. Donc celui-là, pour moi, ça m'intéresse pas. Celui-là, c'est la vanne EGR. S'il y avait un problème, j'aurais un voyant EGR et au niveau un voyant moteur, et en plus, ce serait marqué au tableau de bord. Donc celui-là, il m'intéresse pas. Par contre, ceux-là, si je suis le cheminement, a priori, donc tu as tous les fils, donc ça va des injecteurs, aussi bien des prises injecteurs qui arrivent là, qui passent là. En gros, tout passe par là, ça va à ton capteur de sural, de pression de suralimentation turbo.
Donc ça va alimenter à droite à gauche ce qu'il y a besoin sur le moteur. Et donc a priori, moi ce qui m'intéresserait, c'est de savoir où ça va exactement. C'est-à-dire que là, ici tu as un autre faisceau qui part là. Et donc tu as ces irés verts. Pour moi ça vient ici, vers ce boîtier là. Donc c'est le boîtier compartiment fusible côté moteur, on va dire. Ensuite, si ça va là, après là, tu en as un autre qui part, je ne sais pas où ça va. Là, si on dirait que ça va sur le boîtier ABS, ouais. Ou à côté, je sais pas exactement où. Attends. Ah ouais, non, t'as le relais de préchauffage, je crois que c'est ça le relais de préchauffage, si j'ai pas de conneries. Donc là, c'est pas ça. Là, c'est le truc ABS qui se trouve en dessous. Après, tu as forcément un câble qui va sur le compresseur de clim, ça c'est logique. Parce qu'il faut bien l'alimenter celui-là aussi. Ensuite, tac. Ouais, bon, pour moi, je vais remonter déjà ici. On va voir ce que ça donne. Alors, boîtier. Voilà. Donc là, on arrive là-dedans. Oh, il y a un sacré faisceau qui arrive avec des couleurs que j'aime bien. Donc ça va être intéressant à regarder. Donc je vais regarder maintenant les puces, les fils de mon truc là, voir au travers des gaines, voir c'est quoi comme couleur. Ça, c'est déjà la première chose à regarder. Les couleurs et voir où se trouve l'extrémité, quoi. C'est-à-dire qu'ici, là, par exemple, j'ai une couleur. J'arrive même pas à voir gris rouge, je sais pas, marron blanc, un truc comme ça. Non, on n'arrive même pas à voir. Je vais essayer de remonter la gaine déjà pour commencer. Et voir si je retrouve les mêmes couleurs qui arrivent là-dessus. Regardez peut-être les fusibles aussi, voir. Tout vérifier, hein. Parce que ça se trouve, il y a peut-être un fusible, mais j'ai pas vu de fusible justement dans la RTA qui alimente justement le capteur d'huile, donc c'est ça le truc à la base. Mais bon, tu peux toujours regarder, hein. Jeter un coup d'œil, ça coûte rien, quoi. Je sais pas si tu vois en contrebas, j'ai mis de toute façon, en bas, il n'y a qu'une seule vis, on ne peut pas les gourer, donc du pas de gourer à des fins. Voilà, c'est cette vis-là que j'ai retirée, enfin, que j'ai retirée, j'ai juste dévissé, de façon à pouvoir monter, enfin, je vais te montrer, le fait de, avec ton doigt, après, suite de monter, voilà, comme ça, et le fait de le monter, ici, c'est un tiroir. Attends, je vais virer ça, hop, attends. Donc là, toi, ça rentre et ça ressort. Et là, le fait de déverrouiller, de tirer vers l'arrière, tu peux défaire tous ces picots. Donc c'est bon, celui-là, il n'a pas de souci. Regarde, je me suis mis sur celui de droite, ok. Je me suis branché sur celui-là au cinquième. Attends, je vais te montrer. Donc il est pris sur le cinquième en bas. Tout en bas sur le noir, bien la rangée du bas et le cinquième en partant de mon doigt vers la gauche. Ok, et ça nous donne 0,45. Donc on voit qu'il y a une valeur, donc il n'est pas coupé. Donc là j'intervertis le. Je vais me mettre sur le côté gauche ce coup-ci. Donc là je me suis mis sur le sixième, donc cinquième pour l'autre broche. Plus sur la droite que si, ici au sixième en bas, et là j'ai 0,41. Donc ce faisceau là il est intact. Allez, je revérifie toute la prise. Donc on a dit en bas à droite, voilà, avec la tâche à droite, hein. En bas à droite, on a dit c'est la dixième en partant, dixième sur la blanche région du haut. Et c'est la dixième en partant de la gauche. Voilà. Ok. Ensuite, on a dit. On va faire celle en bas.
C'est bon. Celle-là. Ce coup-ci, c'est la... Combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11e sur le blanc rangé du haut. 11e en portant la droite. De la gauche, pardon. Celle-là, c'est bon. Et ensuite, du haut, normalement. C'est bon, là c'est là, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là c'est la 11e, donc sur le blanc, 11e, partie basse, à partir de la gauche, donc c'est bon, les trois trucs marchent. Donc normalement, mon capteur est censé fonctionner. Donc, c'est bon, maintenant on va pouvoir entamer le remontage de tout ce qui est partie électrique. On va tout remettre tout correctement. Donc là, je vais remettre un colson, parce que j'ai viré ça tout à l'heure, pour avoir plus de jeu. Sur la partie là, j'en avais un ici. Là. Ça c'est ok. Ensuite. Ça c'est bon, un petit coup de chatterton là-dessus parce que ça s'est barré. Ok, ça c'est ok. Ensuite, on a dit, on va remettre les prises que j'ai débranchées. Les deux, donc ça c'est bon. Tout jusqu'au clic, ça c'est bon, tac tac. On remet la prise, je vais remettre ça aussi après derrière. C'est comment comme ça, je crois. Ça va être comme ça. Est-ce que tu vois rien? Donc ici, on va remettre ça en place. Lui pareil. Voilà, il y a un truc qui va pas, je sais pas, mais ça va pas. Ah ouais, comme ça. Ah, il faut que je remonte le. Pour pouvoir mettre le verrouillage, pour mettre ça. Il faut le pencher comme ça. Thank you.
remettre ça, je sais plus comment il va se suivre comme ça, je crois. Voilà, pour le remettre, c'est des choses. Attends. Je suis en galère. Donc, il faut que je fasse ici. Ah oh, putain, je vais me remettre. On va remettre déjà un peu dedans déjà. Un sens avec les rainures en haut fines. Voilà. Remonter le bloc avec ton doigt. Tu rebranches ta prise. On va t'essayer du moins. Ah oui, le problème c'est que. Ah oh, putain la merde, je suis tout dedans. Ah oh, la galère, putain. La chine. Ah bah j'aurais pu le remettre. Oh. Ah bah vu la mienne. Pour lui rouiller, c'est quelque chose. Voilà. Donc, il met à tout le monde. Ça a pris, ouais. C'est bon, ça a pris. En gros, tu le mets à plat, tu mets ton espèce de calculateur à plat. Bon, a priori, ça a l'air d'avoir pris, et tu rentres le tiroir dedans à fond. Voilà, celui-là n'est pas coupé. Donc maintenant, on va faire le fil de droite. Voilà, fil de droite, à ce coup-ci. Zéro, donc c'est que c'est bon. Et c'est le quatrième sur la... Toujours pareil, la prise de noir en partie supérieure. Quatrième en partant de la gauche. Donc là, c'est bon aussi. Donc là, c'est le réchauffeur, donc le boîtier qui est là-bas. Hein. C'est le... La prise, elle est là. Celle-là.
celle qui est juste ici. Donc je l'ai dégrafé. Partie gauche, l'espèce d'agrafe pour dégrafer, c'est ici. Donc je me suis mis de ce côté-là. Donc là, on peut voir 0, pareil. Donc là, c'est sur le partie blanche. Donc là, voilà, ici, la tâche, elle est là. Sur le côté, c'est la prise qui va sur en bas, partie bas du réchauffeur de liquide d'enfroidissement. Donc là, j'ai mis le côté gauche, côté agrafe. Voilà, ici, on voit que c'est 0, il n'y a rien. Là, on est sur le quatrième, donc c'est blanc. Ah, donc c'est sur la partie blanche, c'est le quatrième tout en bas, en partant de la droite. Donc là, le fil n'est pas coupé, donc on va se mettre à droite là, maintenant. Ça y est, j'ai enfin trouvé. Donc c'est bien l'alternateur qui va, ce fil jaune et bleu. Donc je vais te montrer où il va exactement. Donc a priori, il n'est pas coupé. Ça, c'est une bonne chose. Donc là, j'ai vraiment plus de doute à ce niveau-là. Donc là, de ce côté-là, on est clean. Attends, je vais te montrer vite fait la mesure. Donc voilà, c'est cette prise. Donc tu vois, là, j'avais enlevé le cage de l'alternateur. J'étais limite de démonter parce que j'arrivais pas à l'avoir. Il est juste derrière, là où tu vois l'écrou d'alimentation de l'alternateur. Voilà, donc il est là. Ensuite, là, il est branché. Et là, on peut voir que j'ai 0. Donc le fil n'est pas coupé. Donc là, c'est le capteur de suralimentation turbo. Donc c'est sa prise, elle est ici, voilà. Donc là, ici t'as la graphe, je me suis mis sur celui du haut. Donc là, je peux voir que le fil n'est pas coupé. Et je suis sur la partie noire du 13e, en partant de la droite, partie supérieure noire. Donc voilà, celui-là est vérifié. Donc la partie à gauche, hein. 10e sur la partie supérieure, donc tu comptes 10 à partir de la droite, sur la partie supérieure noire. Voilà. Donc il est bon. Donc là, je viens de vérifier, donc c'est la sonde du thermostat, la sonde liquide d'enfroidissement. Ici, on a de température, on va dire. Sur la partie gauche, tu as la tâche sur le dessus, fil de gauche. 16e sur le noir, partie supérieure. Voilà. On voit que c'est pas coupé non plus. Là, c'est la partie droite ce coup-ci de la sonde. Ici, si tu comptes 8, alors c'est le 8e partie supérieure. 8e en partant de la gauche, pardon, j'ai oublié de te dire. Voilà. Donc il n'est pas coupé, 0, donc ça c'est cool. 7e, barrette noire, tout en bas. Et quand tu parles de la droite, c'est le 7e. Là, j'ai une valeur, donc il n'est pas coupé. Là, je viens de regarder donc la prise, je viens de mettre sur l'autre fiche. Là, je me suis mis sur la prise noire du calculateur. Et c'est la deuxième, sur la partie haute du noir, en partant de la droite. C'est la deuxième, j'ai une valeur de 0. Voilà, donc là, c'est bon, c'est pas coupé. Voilà, je suis en train de faire l'électrovanne EGR, pardon, au niveau de la prise. Donc là, comme ça, la partie basse grise, hein. tout à gauche, relié ici à la prise. Donc là, c'est sur la réglette du noir, partie haute, donc c'est la septième. Septième, partant en bas, tout en bas, partant de la droite, septième. Donc là, c'est pas coupé. Donc là, maintenant, je vais mettre sur celle du milieu. Donc là, je me suis mis sur la réglette, sur celle du milieu, voilà, au niveau de la prise. Et ici, tu arrives sur la piste, sur la barrette noire, et c'est la deuxième, sur la partie haute de la réglette noire, portant de la droite. Donc là, c'est pas coupé non plus. Maintenant, on va faire la dernière. Donc voilà, on est toujours sur la partie droite à ce coup-ci. Je me suis branché sur la partie noire et c'est la deuxième en partant de la droite sur la partie haute de la barrette noire. Et là, on voit que c'est pas coupé non plus. Donc ça, on va pas le rebrancher. Donc ici, cette prise-là, c'est celle qui va à ta sonde lambda qui est branchée sur le support près du truc à gasoil. Donc là, je me suis mis carrément sur la prise de gauche. OK. Et là, c'est la
sur la barrette blanche, tu comptes, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est la dixième en partant de la droite, sur tout en haut, hein. Tout en haut, dixième en partant de la droite. Et là, on peut voir qu'il y a une valeur. Si je débranche, l'infini, donc c'est pas coupé. Donc en haut à gauche, donc là comme tu peux voir, 0, et c'est la réglette blanche, et c'est la 9e à partir du bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ah, c'est la 9e. Ok. Maintenant on va faire milieu bas, toujours pareil sur la même prise. Milieu bas, donc tout à 0, et c'est soit la réglette noire, la première en partie haut, première à droite là, au niveau de la, sur la partie haute de la réglette noire. Donc là c'est toujours pas coupé. Donc là maintenant on va faire, donc là c'est le milieu bas, on va faire le milieu haut maintenant. Ah ça y est, enfin j'ai trouvé le haut milieu de celui-là là. De celui qui va, qui a graffé sur le dessus près du filtre à gasoil. Donc voilà, ça y est, il est où? Très simple, il va dans la boîte à fusibles. Donc je vais mettre un peu de lumière. Ça y est, j'ai enfin trouvé, tu sais, le haut milieu, ce que je cherchais. Donc c'est celui-là, là, qui part de là, et qui arrive là-dessus. La prise est à celle du, qu'on appelle ça, du, qui arrive de là, qui vient de la sonde lambda, qui était agrafée ici sur la partie métallique, là, sur le support métallique. Donc voilà, au milieu, il arrive où? Tout simplement, c'est un rouge. Donc j'ai vu qu'il arrivait, qu'il passait dans la gaine. Mais il est juste là. Et donc on peut voir que le fil n'est pas coupé. Donc en bas à droite, il est au 11e sur la partie noire supérieure. Tu comptes 11 à partir de droite. Voilà, c'est celui-là, il n'est pas coupé. Donc là, dixième, en haut à droite, pardon, là, on voit que c'est pas coupé. Sur la réglette blanche, en bas, et c'est la 11e en partant du bas. Allez, je continue, donc la vérification. Donc ici, sur la boîte à air, celui-là. C'est celle-là que je viens de débrancher. Là, je me suis mis sur la partie haute du milieu. Donc tu as deux bas et un haut. Donc celle du haut, toujours pareil en haut mètre. Et là, je suis sur le 12e blanc en haut, à partir de la droite, 12. Tac. Et là, on peut voir que le fil n'est pas coupé. Donc celui-là, ce que j'ai pris en bas à gauche, bas gauche, là, on peut voir qu'il y a une valeur de 0, donc c'est pas coupé. Et sur la réglette blanche, à ce coup-ci, c'est le 13e en partant de la droite. 13e en haut. Donc le fil n'est toujours pas coupé. Donc là c'est la suie du bas. Toujours pareil, même capteur. Et la réglette blanche, celle d'une réglette blanche en bas, et c'est la 13e en partant de la droite. Voilà, ici c'est la prise du débitmètre qui est ici. Donc tout aller, j'ai mis sur celle de droite. Tout à droite. Donc le fil n'est pas coupé. Nous sommes sur la réglette blanche et c'est la réglette blanche en bas. 3, 4, 5, c'est le 7e. Donc le 2e, donc en partant de la droite. Et là c'est le 8e. 8e haut. 8e haut blanc. Et là c'est pas coupé. Celui du milieu, j'ai enfin trouvé. Donc il passe par là, je l'ai suivi, j'ai tiré sur les fils pour voir si c'était pas coupé. Nickel, il arrive bien ici. Donc c'est le celui-là. Je sais pas si tu le vois. Attends. C'est le vert, celui-là. Hop, il est là. Donc quand je bouge, là où il y a la partie rouge, tu tires des deux côtés en même temps. Et tu t'aperçois que c'est le même fil. Donc là, je viens de regarder. Donc là, c'est pas coupé. Et là, je suis au... Donc c'est la noire partie haute. Donc on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
11 noirs apparemment. Donc là, c'est l'avant-dernier, donc c'est le quatrième qui est branché. On voit que le fil n'est pas coupé. Donc 0. Et là, c'est le huitième blanc en haut. Et tu comptes 8 à partir de la droite. Donc là, c'est le dernier à gauche. Ensuite, non coupé, 0. Et ici, c'est le septième blanc rangé du bas, septième à partir de la gauche. On peut voir que le fil n'est pas coupé non plus. Donc voilà, celui-là, je ne sais pas ce que c'est, comme c'est une sonde, ou je ne sais pas ce que c'est exactement, celui où je touche. Donc c'est cette prise-là. Donc la tâche est en haut, hein, comme tu peux voir. J'ai mis sur la partie gauche. Donc ici, on a 0, donc fil non coupé. Et au niveau du... Tu comptes sur la réglette blanche, pardon. Et c'est le huitième rangé du haut en partant de la gauche. Donc c'est exactement, ce coup-ci, c'est le côté droit. Donc toujours pareil, 0. Hein. C'est pas l'infini, donc c'est cool. Huitième rangé du bas, blanc, en partant de la droite, de la gauche. Donc là, je suis en train de faire celui-là. Donc la tâche vers le haut. Donc je me suis mis sur la partie gauche. Donc ici, toujours pareil, 0, donc pas de fil coupé. Et là, je suis sur le quatrième, quatrième blanc en bas à partir de la gauche. Voilà, je me suis mis sur celui-là en bas à droite. Voilà, la fiche de droite. Toujours pareil, 0. Et là, c'est la barrette noire quatrième en bas en partant de la gauche. Donc là voilà, je me suis mis sur la fiche en bas à gauche. Ouais, à gauche. Donc là, t'as le réchauffeur, le renifleur d'huile qui descend. Et juste en bas, là, t'as une cosse. Celle-là. Donc là, j'ai débranché. Donc t'as la tâche qui est en haut. Donc on est sur la gauche. Ici, fil non coupé, 0. Là, on arrive sur le... Sur la prise, donc c'est la quatrième en blanche en haut en partant de la droite. Quatrième, là je me suis mis sur la fiche de droite. Ici, c'est la sixième broche. Attends, sixième partant de la droite sur celle du bas noir. Et le fil n'est pas coupé. Donc voilà, ça y est, le faisceau a été contrôlé. Donc comme ça. Maintenant, j'ai plus de doute au niveau du faisceau, parce que j'avais peur de ça, parce que c'est pour commander un boîtier que c'était juste un fil de coupé. Donc là, maintenant, je vais refaire le faisceau. Je vais tout remettre, tout regainer, tout refaire, tout bien propre. Et puis voilà, quoi. Parce que là, c'est un peu le bazar un peu partout. Ça fait même peur, d'ailleurs. Mais bon, je vais faire gaffe de bien tout rafistoler correctement. Donc ça y est, tout est remonté là-dedans. Donc tu resserres la vis qui est carrément au fond, souviens-toi. Tu remets les câbles à l'intérieur, et là on va remettre le couvercle, et puis voilà. Là, pour pouvoir remettre, hein, tu mets le bout dans le trou au fond, hein. Tu le fais glisser dedans, les crochets à l'extérieur, voilà. C'est bien mis. Voilà. Et une chose de moins à remonter. Voilà, il y a un peu de mieux, donc j'ai tout regainé, donc rien de sorcier, j'ai mis du Chatterton, j'ai au niveau des gaines, tout à fait propre. Tout ça s'était refixé, ça bouge plus. J'ai oublié un truc là, qui était là. Ah, ici voilà, ça va remettre en place. Voilà, comme ça. Comme ça, on n'en parle plus. De ce côté-là, c'est propre, sans dire ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rebranché tout ce qui était ici, hein. Tous les branchements, les bimettes, tac, les capteurs un peu partout, voilà. Tout ça s'est refixé. Et j'ai reclipsé ici, j'ai remis un riselant sur la gaine. Et puis voilà, donc là on va remettre, de toute façon je vais laisser comme ça, parce qu'après quand je vais remettre le collecteur, il faut que je vire la qu'on appelle ça la réglette, donc avec le faisceau pour pouvoir le bouger. Donc je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Donc voilà, donc là j'ai remis tout ce que je pouvais.
Donc ici, quand tu fais des... Tu t'assures que les... Au niveau des fils des bougies, c'est assez long par rapport quand tu regaines tout ça. Vérifier que tout va bien. Donc là, moi, il n'y a pas de souci. Je peux tout rebrancher. C'est celle-là, ouais. Celle-là, voilà. Mais bon, je l'ai mis à faux frais, là, comme ça, pour l'instant. Donc déjà, ça fait beaucoup plus propre, quoi. Bon, voilà, ça y est, je suis en train de vidanger tout le liquide de refroidissement. J'ai mis une caisse en dessous. Ici, là, ce que je vais faire, pourquoi je vais vidange, tout simplement, parce que j'ai envie de regarder le calculateur. Donc, le calculateur, il vaut quand même 825 euros chez Mercedes. Je les ai appelés tout à l'heure. Et je trouve ça bizarre, parce qu'il parle d'un... Parce qu'il y a ce type-là. C'est bizarre, sur eBay, il va le voir à 200 et quelques euros. Et sur... La pièce d'origine, c'est 825 euros apparemment, d'après ce qu'il m'a dit le magasinier de chez Mercedes Dreux. Et donc ça met à la valise, souviens-toi, ça mettait ligne interrompue. Alors je suppose que là-dedans, tu dois avoir donc une partie qui rentre forcément, qui est en train de tremper avec le liquide d'enfroidissement. Donc je vais essayer de voir son état visuel. Allez, c'est parti, je vais essayer de tout démonter. Et puis voilà, ça tient par 4 vis, a priori. Donc celle qu'on voit là, en haut à gauche, tu en as une en haut à droite. Le câble a dégagé. Et après, tu en as une qui se trouve en bas à droite, qui est un peu moins accessible. Donc je vais essayer de virer tout ça. Et ça doit être du E10 ou du E12, je ne sais pas exactement. Ça y est, j'ai viré le calculateur. Donc il était là-dedans, il n'y a pas de souci. Donc il est là-bas, maintenant. Tu peux mettre une gamelle en dessous, hein, sinon ça va pas le faire. Voilà, donc tu vois ici. Donc, je suis en train de regarder visuellement s'il n'y a rien. Allez, rebonjour. Donc voilà, ça y est, il s'est passé à peu près une dizaine de jours. Ou une semaine, je ne sais plus exactement. Alors, je viens de recevoir, j'ai commandé cette pièce-là donc en Allemagne, comme tu as pu voir, d'après ce que j'ai pu voir, c'était. Comment dire. Au niveau de la valise, c'était le N332, c'est ce qu'on a pu voir sur internet. Donc j'en ai trouvé un sur eBay. Donc il y en avait plusieurs sur eBay, à plusieurs trucs, plusieurs tarifs, je veux dire. Ici, donc le plus important, c'est le A00015901904. Ça, c'est important. Le Q002, je crois que c'est par rapport à l'affiche. Je suis pas sûr, mais a priori. La marque, ça c'est bon. Après le reste, a priori, on s'en fout. Et c'est. Ça s'adapte sur les W203. Donc voilà pour ça. Donc ici, avant de le remonter, je vais passer un petit coup de graisse sur le... Je viens de le nettoyer un peu quand même. Je vais mettre un petit coup de graisse sur le joint. On va le remettre en place. Après, le but, c'est que je vais remettre tout ce qui est gasoil. Et comme ça, je vais mettre le contact. Et puis, on pourra voir si le défaut est parti ou pas, quoi. Et puis voilà, quoi. Donc c'est parti. Je vais mettre un peu de graisse sur le joint. Allez, go. J'ai un peu de peau de ce poil-là. Je vais étaler ça. Pour mettre sur les gants non plus. Hop. Je fais exactement pareil que si tu faisais une pompe à eau. Voilà. Donc la surface, bien sûr, de l'autre côté, tu l'as nettoyée. J'ai passé un coup de nettoyant frein dessus aussi. Donc c'est propre. J'ai plus qu'à plaquer maintenant le module. Dans le bon sens, bien sûr. Pas tomber. J'ai trouvé le trou. Voilà, c'est mouillé. Chercher la clé, parce que j'y arrive pas.
Donc ça y est, j'ai un tour monté, donc le module il est mis, je l'ai branché, les plus, les grosses cosses, c'est branché. Le petit qui va sur le démarreur aussi, derrière c'est fait. La vanne EGR c'est fait également. Ensuite on a dit, ici celle-là tout est rebranché, donc je fais un petit tour vite fait. Au niveau de du rail injection, c'est branché aussi, tout ce qui est injecteur c'est bon. Tout était serré, capteur de sural, c'est bon aussi également. Derrière, c'est bon, donc logiquement, ça devrait être bon. Hein. Donc maintenant, j'ai branché la batterie, donc on va essayer de mettre le contact et voir ce que ça donne. Mire code. Historique, ah, tu vois, le N332, ça y est, il passe en historique depuis que j'ai le changé. Enfin, déjà de ce côté-là, on va pouvoir l'effacer. Ça, c'est déjà une bonne chose. Donc, le N33, tu vois, c'est bien ça. Donc, ça fait plaisir. J'ai pas dépensé 160 euros pour rien ce coup-ci. Historique. Donc, on va faire revenir en arrière. On va effacer ça. Effacer. Hop. On va voir ce qui va rester après. Ok. Suppression réussie. Bon, terminé pour cette petite vidéo. En espérant que le contrôle du faisceau moteur t'aura plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Comme d'habitude, pense à t'abonner et actionne la cloche de notification. Allez, à bientôt. Ciao.